Donc, une fois que vous avez réalisé votre choix, comment communiquer votre choix à l'entreprise? Lorsque vous avez deux offres d'embauche, je vous conseille d'appeler chaque employeur et de les informer poliment et en toute honnêteté. Vous pouvez leur indiquer que vous êtes intéressé par le poste proposé, mais qu'il vous reste encore d'autres entretiens ou propositions d'emploi. Alors, comme vous souhaitez vous décider en toute connaissance de cause pour le poste, demandez un peu de temps pour y réfléchir. Donc, voici également quelques conseils pour la négociation de contrat en allemand. Il est tout de même possible que vos deux offres d'emploi soient très proches l'une de l'autre. Dans ce cas, il est recommandé de négocier les points pour que l'un d'eux soit parfait. N'hésitez pas quand même à jouer la carte de l'honnêteté, d'informer les RH qu'une autre offre d'embauche vous propose une chose à laquelle vous ne souhaitez pas renoncer. Vous pouvez éventuellement, s'il est possible, négocier à ce sujet. Essayez de présenter une contre-proposition concrète, mais restez fidèle à votre parole. Si la négociation fonctionne, acceptez le poste. Enfin, dernière question qui nous est posée, comment rejeter une promesse d'embauche en allemand? Alors généralement, il suffit de décrocher le téléphone ou d'écrire un email afin de les informer que vous avez pris une autre décision. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il sera toujours possible qu'à l'avenir, vous puissiez travailler pour cette entreprise, ou que vous soyez en contact avec eux en tant que client. C'est pour ça qu'il faut communiquer de façon diplomatique. Donc, voici un exemple de modèle en allemand, par exemple comme titre, Absage von Ihrem Jobangebot. Ça va commencer par Sehr geehrte Frau X, sehr geehrter Herr Y, vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, mich auf Ihre Stelle als blablabla zu bewerben. Jedoch möchte ich mich hiermit meine Bewerbung zurückziehen. Die Position ist weiterhin sehr interessant für mich und Ihr Unternehmen sich als einer der besten in meinem Tätigkeitsfeld an. Jedoch habe ich in der Zwischenzeit ein Angebot einer anderen Firma erhalten, welches noch besser meinen aktuellen Anforderungen entspricht. Ich möchte Ihnen keine weiteren Umstände bereiten und wünsche Ihnen, dass Sie die Stelle mit einem anderen geeigneten Kandidaten besetzen können. Ich hoffe auf Ihr Verständnis und bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen. Et voilà.